Salam, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler du rêve, des oreilles et de ses différentes significations. Mais avant ça, sachez que je propose des interprétations personnalisées et confidentielles à partir de 5 euros par mois sur Patreon ou Buy Me Coffee. Pour ce prix-là, vous avez des interprétations illimitées pour le mois en question. Vous pouvez faire aussi un don unique via Xoom qui se passe sur PayPal ou Western Union. Le tarif est de 20 euros. Et ça couvre 3 mois d'interprétation. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran. Et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens et les informations sont dans la description. Donc l'oreille d'une personne dans un rêve représente son audition, le point de sa conscience, son rang, son enfant, sa propriété ou son statut. L'oreille dans un rêve représente également la connaissance, la raison, la religion, l'étendue de sa richesse ou la fierté de sa lignée. Si l'audition d'une personne devient plus claire ou sa sensibilité augmente, ou si elle voit de la lumière entrer ou sortir de ses oreilles dans un rêve, alors que cela représente sa direction, son obéissance à Allah et son consentement à son commandement. S'il voit ses oreilles paraître plus petites ou produire une odeur, une mauvaise odeur dans un rêve, cela signifie qu'il peut s'égarer et se livrer à des actions qui entraîneront le mécontentement d'Allah. Si l'on découvre qu'il a une oreille supplémentaire dans un rêve, cela signifie qu'une autorisation lui est donnée pour réaliser ce qu'il entend. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose d'instinct, et bien faites-le. C'est de suivre son instinct. Le nombre d'oreilles que l'on voit dans un rêve représente également les différents arts et sciences qu'il possède. Mais cela pourrait aussi signifier que la personne en question n'a pas de stabilité. C'est-à-dire que vous écoutez beaucoup de gens en même temps. Dans un rêve, l'oreille peut représenter les bijoux qu'une femme s'attache comme ornement. Se boucher les oreilles avec ses propres doigts dans un rêve signifie la mort dans un état d'innovation répugnant. Se boucher les oreilles dans un rêve signifie également ignorer une pensée répulsive. On ne veut pas écouter des mauvaises paroles. Se boucher les oreilles dans un rêve pourrait également signifier devenir le conseiller de quelqu'un ou celui qui appelle aux prières, c'est-à-dire un muezzin. Si les oreilles d'une personne se transforment en oreilles d'animal, cela signifie perdre le respect ou développer de l'inertie ou de l'apathie. Cela peut donc pointer vers la dépression. En tant que conscience, l'oreille dans un rêve représente une pochette, un portefeuille, un coffre ou un coffre-fort. C'est-à-dire que vous recueillez les confidences des autres. Des oreilles dans un rêve sont également interprétées comme signifiant la séparation avec sa femme ou sa fille. Si seulement la moitié de l'oreille est présente dans un rêve, cela signifie la mort de sa femme. Si l'on se retrouve sourd dans son rêve, cela signifie qu'il risque de perdre la foi. Avoir de grandes oreilles dans un rêve signifie fuir ou éviter ce qui est vrai. Si on voit dans le rêve que ses oreilles se comportent comme ses yeux, c'est-à-dire que vous voyez avec vos oreilles, cela signifie qu'il risque de perdre la vue. Si on se voit manger le cérumen accumulé dans ses oreilles dans un rêve, cela signifie que c'est un agresseur d'enfant. Si on voit de l'herbe pousser partout sur lui, sur son corps, mais que ça ne couvre pas ses oreilles ou ses yeux, dans un rêve, cela signifie la prospérité. Donc voilà à peu près le rêve des oreilles dans un rêve, c'est lié à son statut, c'est lié aussi à la religion. C'est pas forcément négatif, c'est plutôt un symbole neutre en fait. Il faut simplement voir ce qui arrive à ses oreilles pour en comprendre le sens. Donc j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez me soutenir financièrement. Et je vous dis à bientôt.